Alors, SCV, c'est un cycle que vous allez entendre X fois pendant cette conférence. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le semis sous couvert végétal. Il ne vous aura pas échappé que cette thématique est en prise directe avec nombre d'éléments d'actualité ou défis de notre temps. Alors, si, sans tous les lister, il y a bien sûr le plan éco-phyto, il y a la pression qui est exercée par la société civile sur les intrants, avec derrière le défi environnemental, la mondialisation croissante de l'agriculture, et puis le défi alimentaire qui reste prégnant puisqu'il faut continuer à produire. Et puis je terminerai avec les orientations politiques qui se dessinent en matière d'agroécologie, même si tout le monde y va de sa propre définition. Bref, entre agriculture conventionnelle et agriculture bio, il y a sans doute une voie médiane. Une troisième voie à explorer, et c'est peut-être celle-là, sachant que même si elle est mise en pratique de manière beaucoup plus importante dans des climats et des sols différents, elle est tout à fait adaptable, on va vous montrer, dans des contextes pédoclimatiques. Alors, je vais continuer en vous présentant nos intervenants. Alors à ma gauche, il y a Lucien Segui, vous êtes un agronome français, ex-ingénieur du CIRAD et désormais consultant international notamment pour l'Agence française de développement. Alors vous avez fait la majeure partie de votre carrière au Brésil, vous avez inventé, je crois que le mot n'est pas galvaudé, inventé et mis au point ces systèmes SCV dans la zone tropicale humide. Et aujourd'hui, les SCV sont pratiqués sur plusieurs millions d'hectares, même je crois une dizaine, voire une trentaine. Et à ce titre, vous avez reçu nombre de distinctions dans ce pays. Voilà. Donc entre 90 et 2000, vous avez reçu à peu près 500 agriculteurs français. Brésil. Et à leur retour, certains, bon, ils sont pas très nombreux, mais se sont inspirés de ce qu'ils ont vu. Et il y a notamment, certes, des agriculteurs, mais il y a aussi des techniciens qui étaient aussi dans ces groupes et qui se sont inspirés de vos travaux. Alors, ces dernières années, vous avez un peu déserté la scène française, car vous désespériez un peu de la trop faible diffusion de ces systèmes. Hein, je crois que dire les choses comme ça. Vous avez décidé de revenir, un peu rattrapé par la manche par un certain nombre d'agriculteurs qui vous ont demandé de revenir les conseiller. Vous animez un petit réseau d'agriculteurs, une dizaine, un peu trié sur le volet sur leur motivation. Et j'ajouterai pour terminer que Carvalis vous consulte désormais pour propager ces idées-là. Voilà. Christian Abadi, qui est à l'extrémité de la table. Vous êtes éleveur laitier et en SCV depuis 12 ans. Vous allez nous raconter comment le recours à ce système de culture a été une réponse à la crise laitière de 2009, puisque vous parvenez désormais à faire deux cultures par an sur vos terres. Que par ailleurs le taux de matière organique a fortement remonté après l'abandon du labour, et dans le même temps vous avez réduit votre consommation d'eau d'irrigation fortement à périmètre de culture égal. Hubert Charpentier, vous êtes céréalier dans le Berry en SCV depuis les années 2000, mais auparavant vous avez eu une autre vie professionnelle. Vous avez été vous aussi agronome au CIRAD, en poste notamment en Côte d'Ivoire et puis à Madagascar, où vous avez développé ces systèmes en étroite relation avec Lucien Segui, que vous connaissez de longue date, avec qui vous avez travaillé depuis les années 80, je crois. Et votre particularité, c'est que vous recourez sur votre ferme au SCV, bien sûr, mais sur couvert vivant, dans lesquels vous implantez vos cultures de vente. Donc vous ne tuez pas ces couverts, vous les maintenez juste ce qu'il faut en vie, et puis vous évitez aussi qu'ils prennent le dessus sur les cultures de vente.
Voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Lucien Segui, tout en vous demandant de réserver vos questions pour la fin de cette conférence, puisqu'il y aura une séquence d'une trentaine de minutes à la fin. Alors, je vais vous demander aussi de lever le doigt pour ceux qui sont agriculteurs. C'est une demande de mon voisin qui veut un peu mieux connaître la structure de l'auditoire. Voilà. Et savoir quels sont les techniciens, s'il y en a parmi l'assistance. Voilà. Merci. Eh bien, monsieur, c'est à vous. Il marche ? Ouais, ça marche. Alors, j'ai pas l'habitude de me servir d'un micro. D'habitude, je hurle et je parle plus pendant 4 jours après, mais je vais essayer d'utiliser cet outil. Alors, le sujet que je vais traiter, et que beaucoup d'entre vous, c'est pour ça que j'ai demandé s'il y avait beaucoup d'agriculteurs, je sais que pas mal d'agriculteurs font du suivi direct. Il y en a qui partent de zéro, je ne vais pas rentrer dans les définitions, mais qui font des SCV, il y en a très très peu. En tout cas, moi je sillonne la France et j'arrête pas depuis 7-8 ans là, en remontant mon réseau, et je sais qu'il y en a vraiment peu. Vous avez une image là derrière qui est dans les cerrados brésiliens, dans les grandes zones que nous avons ouvertes, et qui fait que le Brésil aujourd'hui a 25% de son PIB dans la grande négoce. Vous voyez, ça pour moi c'est un suivi direct, mais pas, c'est pas un SCV. Vous voyez les moissonneuses-batteuses qui coupent, il y en a une trentaine, et derrière on sème, dans la foulée, on sème en même temps du maïs. Mais ce n'est pas un SCV. Pourquoi ? Parce que jusque-là, jusqu'à l'opération maïs, le maïs va être tout seul. Donc c'est du semis direct, il n'y a pas de travail du sol, mais dans les résidus de récolte. Mais il n'y a pas de plantes de renfort qui viennent pour refaire la porosité, pour apporter des fonctions qui nous éviteraient des intrants, qui fixent de l'azote et autres. Donc je vais faire ce parcours donc en 30 minutes. C'est un parcours, j'appelle ça un survol de très haute altitude. Je traite ça en général en 30 heures. Et je suis loin d'avoir fait le tour, donc vous imaginez la tâche qui m'attend. Alors je vais choisir un certain nombre d'images, de résultats, et qui vont venir de pays différents, pour que vous voyez l'applicabilité et l'universalité de ces principes-là, quelles que soient les écologies, depuis la Tunisie où il ne pleut pas et il tombe presque rien, il fait froid, jusque sous les tropiques où il tombe 3 mètres d'eau, la France sous ses différents climats. Bon, je vais courir, j'ai plus de diapos qu'il m'en faut, je m'arrêterai sur des points, je m'arrêterai de temps en temps, et je vais essayer de faire le tour. Je finirai peut-être pas, ça n'a pas d'importance, mais je vais vous laisser où trouver tout ce que vous intéresse, j'espère qu'on vous aura intéressé, et que vous aurez envie d'aller lire ce qu'il y aura dans la dernière diapo. Allons-y. Alors, faut que j'ai un truc pour faire bouger les diapos. Vous n'avez pas été bien dans la salle, vous voulez voir les diapos qui... Hein? Si, si, il faut éteindre parce qu'en plus, les diapos, moi je doute qu'elle soit très bonne. Le truc qui marche, il marche pas non plus. Mais... Ah non. Bon, je suis en train de chronométrer le temps qu'il me faut en faire. Non, il veut pas. Bon, il est pas ça. Vas-y, vas-y. Vas-y, comme ça, on perd pas de temps. Hein. Ah, voilà. Elle est plus longue. Voilà. On n'a pas de pointeur non plus pour montrer des choses, parce qu'il y a des tableaux qui sont compliqués. Et ce que je voulais vous dire, c'est que moi je suis agriculteur aussi, donc je suis ravi qu'il y ait des plans ici. Et je vais utiliser un langage simple. Je précise ce point parce que là, très souvent, quand la science est un peu en panne, elle invente un nouveau langage. C'est-à-dire que sur des choses que moi j'ai définies il y a 20 ans, ils ont mis des mots nouveaux. Mais vous verrez que les liens sont plus simples. Voilà. Alors allons-y. J'ai quelques phrases comme ça, mais c'est très important dans la philosophie, dans la façon dont moi je travaille. Cette phrase d'Einstein, moi je la trouve très bonne. Si vous ne voulez pas changer, vous ne changez pas. Mais en général, on arrive au bord du gouffre, et comme disait Sékou Touré, c'est là où on décide de changer, on est au bord du gouffre et on fait un grand pas en avant. Vous voyez ce que ça peut donner. Hein? Donc on peut changer, et puis si on sent que ce n'est pas par ces chemins-là, il faut en changer. Dans l'agriculture, dans la politique, dans beaucoup de choses. Cette autre chose-là qui est en anglais, elle dit qu'il y a plus de créatures vivantes dans une poignée de bon sol que tous les êtres humains sur la planète. Et elle dit que c'est le musée d'histoire naturelle de Washington DC, et elle dit aussi qu'on connaît plus de choses sur la face cachée de la Lune que sur le sol, sur la biologie des sols. Et c'est vrai. Donc, quels que soient les savants, s'il y en avait dans la salle, qui sont spécialistes de la biologie des sols, on ne sait rien. Et je peux vous dire que j'y ai consacré une partie de ma vie, même si ce n'est pas dans les labos, c'est dans la nature, en prise directe dans la nature. On a découvert beaucoup de choses, mais on ne sait strictement rien. Ce qui veut dire
qu'on peut avoir un immense espoir, vous allez voir les résultats, pour que notre agriculture puisse être au top niveau, avec, sans intrants chimiques par exemple, c'est un des sujets que je vais aborder ici. Allons-y. Alors le réseau, oui, vous cliquez là. Parce que c'est pour vous dire un peu de les images que vous allez voir, elles viendront d'un peu tout ça. J'ai rajouté le Canada un peu encore, parce que j'y vais depuis 4 ans, mais on avance. On a déjà quelques dizaines de milliers d'hectares en 3 ans qui avancent au Canada, donc on peut aller aussi très vite. Voilà, vas-y. Alors, l'ABC des LCV, voilà. A, de absence de travail du sol, B, de biodiversité fonctionnelle, rotation, succession, association de culture, couvert multi-espèces, C, de couvert permanent du sol, et colonisation racinaire. Profonde et diversifiée. Alors, j'insiste pas, on pourrait faire de la philo là-dessus, vous le verrez en image, et c'est beaucoup mieux. Allons-y. Alors, ça, c'est mon modèle de départ, c'est la forêt. Alors, la forêt, c'est 450 tonnes de matière sèche au-dessus du sol. Or, les sols, il n'y a rien dedans. Pour nos cultures, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de phosphore assimilable, il n'y a pas de potasse, il n'y a pas de calcium, il n'y a pas de magnésium, il n'y a rien. Or, cette énorme machine biologique fonctionne indépendamment de son sol. Donc ce modèle est important parce que si on arrive à le remonter pour l'agriculture, on fonctionnera sur de la biomasse et le sol, la richesse du sol, on s'en fout. Et moi ça je peux le prouver, je vais vous montrer des chiffres. Il est évident qu'au départ je préfère avoir des très bons sols quand je vais commencer à faire de l'agriculture que des très mauvais, sableux, avec pas de matière organique et vide de tout. Mais je m'en affranchis très rapidement. On peut s'en affranchir grâce à ces machines, ces pompes biologiques qui travaillent pour nous. Allons-y. Bon, alors ce que j'avais pris là-dedans quand même, je vous le dis, parce que vous verrez que ça s'applique partout. Un sol toujours protégé, si vous voulez dire. La production primaire de phytomasse très élevée, même sur des sols très pauvres chimiquement et acides, ou basiques, ou stériles, ou ce qu'on appelle stériles, on ne peut pas les mettre en valeur parce qu'ils ont des problèmes, je ne sais pas quoi. Moi je démarre tout ça, je vais vous montrer des grandes zones de spawn où on a remis l'agriculture en route. Et vous verrez que moi je n'ai pas utilisé d'intrants, des tonnes de phosphate, de machin, je l'ai fait avec des plantes. On peut tout faire avec les plantes. Et on ne sait toujours pas grand-chose. Allons-y. Alors, moi je dis que la révolution, elle est quadruplement verte. C'est de ça que je vais vous parler. C'est-à-dire une productivité élevée, stable et création d'une fertilité croissante d'origine organobiologique. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité agricole, de l'agriculture, que sous le processus d'agriculture, les sols s'enrichissent. Jusqu'à maintenant, on rajoutait, on ramenait des engrais, on ramenait ci, on ramenait là, ou du fumier, ça dépend dans quelle partie vous travaillez. Mais je veux dire, on ramenait toujours plein de choses parce qu'à l'évidence, un tonneau percé. Eh bien, dans cette agriculture-là, le sol s'enrichit sous la culture, ce qui est même pas mal. Et je crois que ça vaut la peine de souligner. Alors, deuxième point, bon, vous avez eu le temps de lire, j'y reviendrai. Je vous refais une petite jeunesse, mais très très vite. Alors, on a commencé avec des couverts monospécifiques, c'est-à-dire il n'y avait qu'une espèce. Parce qu'il a fallu identifier des espèces pour des fonctions. J'ai des problèmes d'herbe, je veux avoir un couvert qui, c'est mon premier problème dans mes parcelles, qui va contrôler naturellement les mauvaises herbes. Donc, je travaille avec une fonction principale qui est de contrôler les mauvaises herbes. On pourrait, là je pourrais m'étendre très longuement, c'est toute une vie. Mais ensuite, j'ai commencé à mélanger des plantes. C'est une couverture morte. J'ai mélangé des plantes. Et en mélangeant des plantes, on fait des additions. C'est pas exactement des additions, de fonctions. Il y en a une qui fixe de l'azote, qui contrôle des nématodes, une autre qui fait un système racinaire qui restructure les sols avec un système racinaire fasciculé. Bon, enfin, on peut rajouter, mais c'est pas additif, c'est interactif. Donc c'est des interactions complexes quand on mélange des espèces pour faire des couverts. C'est pas aussi simple que les vendeurs vous les présentent. Je vous ferai de Rio, s'il y en a un dans la salle, bonjour, parce que, ben, très bien. Mais on sait très bien que de temps en temps, il y a des antagonismes entre plantes et c'est pas aussi simple que ça. Bon, enfin, voilà, la biodiversité fonctionnelle, plus vous pouvez vous mettre de plantes amies, même si vous ne savez pas trop pourquoi, ce qu'elles font dans vos sols, c'est que quand vous avez des couverts complexes, avec plein d'espèces différentes, ce qu'on voit, c'est que c'est toujours mieux. Et que si ça se reproduit l'année d'après, eh bien, si vous tenez une loi. Alors, la loi, vous la tenez, vous pouvez la transférer chez les agriculteurs qui, eux, vont l'appliquer. OK ? Et pendant ça, là, on demande à la recherche d'aller démonter la boîte noire. Là, moi, j'ai déjà quand même beaucoup d'idées pour savoir pourquoi ça marche mieux. Mais la recherche, c'est son rôle aussi de démonter la boîte noire du mélange de plantes pour dire, voilà, celle-là fait ça, celle-là fait ça. Il y a des synergies entre ces plantes-là et celles-là. Voilà. Donc, allons-y. Et vous voyez qu'on a mis 2-3 plantes, le nombre d'espèces, après jusqu'à 10 à 12. J'ai des... Dans notre réseau, on a des endroits où on a 12 plantes de couverture dans les couverts. Et puis, je suis venu à ça, qui est beaucoup plus puissant. Ça, c'est beaucoup plus fort. Et ça, c'est, au niveau politique, c'est une arme pour le gouvernement. S'il y avait des gens du gouvernement, ce serait bien. Mais il y en a pas.
Et c'est vraiment dommage, parce que vous notez que très souvent, les lois, c'est par des lois qu'on fait changer les agriculteurs dans ce pays. Et c'est un truc invraisemblable, ça. Alors que si on avait de la bonne agronomie et des démonstrations évidentes, eh ben, on n'aurait pas besoin de tout ça. Dans les couverts vivants, vous verrez que vous êtes obligé de baisser les herbicides. Vous êtes obligé, sinon vous allez tuer le couvert que vous voulez garder pendant 4 ans, 5 ans ou 6 ans. Donc vous êtes bien obligé de réduire la dose pleine qu'il tuerait, vous allez le traiter à toute petite dose. Donc vous allez économiser la moitié, les deux tiers de l'herbicide. Je parle pour le cas des herbicides, mais dans toutes les grandes fonctions agronomiques, c'est la même chose. Alors voilà les légumineuses. Allons-y, parce que je suis un peu pressé d'arriver aux images. Vas-y, ça ne veut pas passer. Vas-y. Bon, ça c'est comment on commence le spiliac. Ça c'est pour répondre à vous, qui me posait toujours la question, ah ben oui, mais moi j'étais en labour, maintenant je vais passer en PCS, parce qu'il y a des gens qui vous ont expliqué qu'il y avait une étape intermédiaire nulle. C'est nul. Alors là, il me faudrait une heure qui vient pour vous démontrer que ça n'a aucun sens. Par contre, il y a des préalables, c'est cela. C'est-à-dire quand vous êtes dans votre labour, là, ben, il faut y a un certain nombre de préalables avant d'installer ce milieu. Mais on peut le faire demain matin. Allons-y. Alors bon, ça, allez-y, passez, ça c'est du... C'est du concept, on s'en fout. L'ingénierie écologique, c'est à quoi ils servent, les fonctions agronomiques. Regardez tout ce que j'ai écrit là-dessus. Et quand vous voyez que je mets ingénierie écologique, c'est qu'on mélange des plantes, c'est toutes ces usines vivantes qui travaillent pour nous. Mais le mot écologie, je vous rappelle quelque chose. Et à vous qui vivez dans les milieux, et pour les agriculteurs en tout cas, l'écologie, vous n'avez pas remarqué, l'agriculture durable, il n'y a que ça. Je ne veux plus en entendre parler. Personne n'en fait. J'en ai marre d'entendre ce mot. C'est moi qui étais un des inventeurs de tout ça il y a 25-30 ans, mais j'en ai marre. D'ailleurs, je l'ai écrit en deux mots. Durable avec un accent circonflexe sur le A. Tellement qu'il y a des gens qui sont greffés dessus pour prendre du blé, du pognon, monter des associations, monter des petites bidules qui fonctionnent ici, une autre association là-bas, et qui finalement, bon, je sais pas, j'espère qu'elle change quelque chose, mais j'en suis pas passionné. Alors, l'écologie, c'est pareil, c'est un mot qui me fait mal toujours, parce que là, c'est les verts, c'est la politique française. Avec 1789, les mecs sont prêts à se tirer dessus déjà pour le mariage gay ou je pense pas, écoutez-moi. C'est plus tard. Non, je parle pas de mariage gay là. Ce que je veux dire, c'est que ce genre de agiter son peuple pour des choses importantes, certes, mais qui sont peut-être pas forcément prioritaires, et puis les amener à presque se battre dans la rue, je suis pas d'accord. Les chapelles aussi à l'agronomie, c'est pareil. Mais l'écologie, j'en ai marre. Parce que tout de suite, il y a cette relation avec la politique. Et l'écologie, vous remarquerez bien, elle est réservée aux forêts. Il faut préserver les forêts. Même celles du Brésil, ce n'est pas les vôtres, mais on leur demande d'avoir attention. Il faut surveiller ça, les mecs. Vous n'avez rien à dire. Ils les boufferont toutes s'ils veulent, comme nous on a fait, comme les Américains ont tué les Indiens, comme... écoutez, tous ces schémas-là aussi, il faut avoir un esprit un peu ouvert. Donc l'écologie, elle est utilisée pour quoi? Pour les forêts, la biodiversité qui existe. Les écosystèmes naturels, quand ils existent, et bien très typifiés, bien identifiés. Et ça existe pourquoi? Pour les couloirs de biodiversité, vous avez entendu parler, on va laisser les couloirs. Et puis pour aussi les refuges, pour ceux qui utilisent des OGM. Parce que là, les insectes qui eux sont transformés vont venir se croiser avec ceux qui ne sont pas. Et putain, on meurt de rire, excusez-moi, on meurt de rire. Je suis dedans moi, dans les OGM là. Et c'est pas une idée contre les OGM, mais je me marre quoi. Le refuge, c'est, vous savez, il y a le chef des coléoptères qui téléphone au mec et il dit « Hé, les gugus, ils passent l'avion, là, ils traitent, allons dans le refuge, venez tous, dépêchez-vous, vous avez 10 minutes. » Vous savez, c'est comme pendant la guerre, quand les Allemands envoyaient des bombes, mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est des schémas d'intellectuels, qui sont d'ailleurs louables au niveau de l'exercice, mais dans les réalités, mais la nature ne fonctionne pas du tout comme ça. Bon, voilà un peu les fonctions, vous les voyez là, quand vous fermez le système sur le culture, vous avez vu la forêt. Moi, je ne perds pas d'engrais, moi, dans mes systèmes. Je vais vous montrer ça. Allons-y. Alors, je vous montre des principes d'application universelle. Oui, rajustez-les chez vous. Quand vous avez bien compris tous ces principes-là, j'ai écrit des milliers de pages, 30 000 pages sur ces sujets-là. Je ne vais pas vous offrir ça, mais je vous donnerai quelques documents. Vous allez comprendre comment ça fonctionne, même en France. Et vous voyez, pas des recettes. Ça veut dire qu'on réajuste. On va appliquer ce principe, celui-là, avec mon champ. J'ai tel et tel facteur limitant essentiel. Je vais faire ça. Alors, là vous en avez quelques exemples là, de couvertures de sol, et puis ça c'est des couvertures mortes, celui-là, mais ça c'est des couvertures vivantes. Voilà, et vous voyez des technologies bizarres ici, enfin bizarres. C'est le Canada ça, parce qu'il n'y a pas de place pour mettre deux cultures et mettre des plantes, on en a trouvé le même. Moi je les mets avant la défoliation du soja, et je fais des blés. Ils faisaient plus de blé d'hiver, ils font du blé d'hiver. Les blés de printemps ils font 3 tonnes à 4 tonnes, ils font 5 à 6 tonnes de blé d'automne.
maintenant avec cette technique-là. Et je n'ai pas d'un cran de langue, je n'ai pas d'herbicide. Il n'y a pas d'herbicide. Il n'y a pratiquement rien, c'est presque du produit bio. Donc le bio dont tout le monde parle, mais qui lui, là pour les sols, ça veut dire un petit coup de Vaison la Romaine, un petit orage de 120 mm, il n'y a plus de sol. Alors on ne l'a pas pollué, merci, d'accord, mais on n'en a plus. Alors ça, c'est des millénaires et des millénaires. Deux, il n'y a pas de fumier pour tout le monde, vous l'avez remarqué quand même, parce qu'il faut y en mettre de la matière organique dans ces sols-là. On laboure avec une minéralisation très élevée. Allons-y. Voilà, ça c'est 1990, j'ai défini toutes ces fonctions-là pour ces SCV. Alimentaire, les contrôles adventices, les fonctions, écran protecteur, coudre le sol, les fonctions recycleuses, ça veut dire ne pas perdre l'engrais qu'on apporte, il ne faut pas qu'on le perde, il ne va pas dans les nappes, il faut qu'on le recycle, voilà, comme fait la forêt, les fonctions restructurantes des systèmes. Bon, j'ai défini tout ça, vous le trouverez dans les livres, on va aller vers les images. Vite, vas-y. Une plante comme celle-là, par exemple, regardez, dans le monospécifique, juste avant, cette plante-là, sur 60 jours, regardez la potasse. 16 tonnes de matière sèche sous les tropiques. 16 tonnes. Elle fait 16 tonnes, elle fait 4,50 m de haut. Et dedans, il y a 280 unités de potasse. C'est quand même un peu plus malin de planter ça et de recycler 280 kg de car qui va se décomposer la paille et qui va le restituer à la culture pour la planter du sucre plutôt que d'aller acheter du chlorure de potasse, non ? Surtout quand il y a des carences dans les sols. Allons-y. Bon, ça c'est le carbone, juste un petit trait. Au Brésil, dans les forêts, dans les savanes, en 10 ans, en labourant, j'ai perdu 60% de la matière organique. Mais c'est ça qui est important. C'est qu'en 10 ans de plus, je suis remonté au point initial et je l'ai même dépassé. Ça veut dire que tous les catastrophistes du monde qui disaient quand on perd la matière organique, c'est fini. Après, c'est des 80 tonnes de fumier pendant 15 ans et on n'y arrive pas. Eh bien, ils se sont tous trompés. On a montré là qu'avec des SCV bien conduits, des grosses biomasses annuelles avec toutes ces plantes, cette biodiversité de plantes, eh bien, on récupérait tout ce qu'on avait perdu aussi vite qu'on l'avait perdu. Et ça, c'est quand même un grand message d'espoir pour l'humanité. Allons-y. Allons-y, toujours. Je vais vous montrer quelque chose pour ceux qui font des TCS et qui pensent qu'ils font du spiritueux. Ce tableau-là, ça, c'est l'horizon 0,5, 5, 10, 10, 15, 10, 20 et 20, 40. C'est le stock de carbone qui est marqué là et dans chaque horizon, vous avez les chiffres. Ça, c'est trois SCV complètement différents. Regardez le stock de carbone. Après 5 ans de comparaison entre des TCS, des labos et tout ça, 5 ans, dans un sol sableau argileux, 15, 17 à 25% d'argile. Donc un sol fragile, un gros problème de compactation, de ponte en surface et tout ça. Regardez ça. Le travail du sol, il est là, 29, à côté de 67 après 5 ans. La matière organique, c'est de la bouffe. C'est l'élément, c'est la chose la plus importante des sols. Et comme je parle comme garde-manger pour vos cultures. Donc, regardez, ceux-là sont un peu moins forts. C'est d'autres systèmes de spiguel. Mais regardez les TCS, ils sont juste à côté. Ils sont beaucoup plus proches du labour que des SCV. Donc quand vous dites, ben moi je fais du spiguel, mais vous ratouillez, parce que vous ici, un petit coup de disque ici, un petit machin, vous remettez toutes les mauvaises herbes dessus, on recommence, alors là on ne baissera pas les herbes ici. Et si vous avez gratouillé un moment où le sol était humide, vous faites même un petit lissage juste en dessous des 5 cm travaillés. Et quand vous avez une grosse pluie, parce que vous avez remarqué que le climat devient tropical un peu chez nous, sous certains orages, et là, ben, tout ce qui a été gratouillé dans ce bras, ben, il fout le camp, c'est le meilleur. Alors bon, je vous dis, là, ça c'est clair. Vous voyez, c'est répété ici, on retrouve le travail du sol et on retrouve à côté un TCS, 36 à côté de 53 ou à côté de 68 pour les meilleurs. Donc ça n'a rien à voir. Ne mélangeons pas ça. Ça n'a rien à voir. Allons-y. On va continuer. Alors, avancez encore. Avancez. Non, avancez. Ici, c'est la capacité d'échange, le phosphore. Bon, on va prendre le phosphore et la potasse, par exemple. Ici, simplement, je vous montre juste ça. Le travail du sol est en noir et les TCS sont en rouge. Et ça, c'est les systèmes de spiguel. Ici, la potasse, le noir. Le rouge, c'est les TCS. Et tous ces systèmes, c'est les systèmes de spiguel. Quand on regarde ça, vous savez ce que ça veut dire? Si vous calculez la différence de richesse qu'il y a pour le phosphore, la potasse et tous les éléments-là, il faut en mettre des centaines de kilos de KCL et de phosphore pour récupérer ce qu'a fait le spiguel tout seul. Ça a eu le même niveau de fumeur depuis le début. Ces parcelles sont traitées de la même manière. Donc ça veut dire que les TCS ont perdu des éléments et que le labour en a perdu encore plus. Mais vous remarquerez que sur tous les éléments, les TCL et le labour sont relativement proches l'un de l'autre.
à part quelques paramètres sur carbone en bas en profondeur. Allons-y. Allez vite fait, maintenant je vais au futur. Ça, je ne commande pas. Oui, ça, c'est vous le trouverez, vous aurez le document. C'est que on montre que aussi avec la composition découverte que vous faites, vous changez le complexe archéologique du sol. Vous pouvez fixer du calcium si vous en avez besoin et enlever du potassium. Vous pouvez faire l'inverse, le radis et la boîte fonctionnent complètement à l'opposé l'un de l'autre, par exemple. Donc ces plantes-là, les jus de ces plantes, les acides organiques, la décomposition de ces plantes que vous utilisez dans les couverts, elles peuvent changer la garniture du complexe argilomique. C'est quand même un peu plus malin aussi que d'aller s'acheter des engrais, déplacer ci, déplacer là, le balancer dans la rivière à côté, enfin bon. J'en passe, c'est les meilleurs. Allons-y, on avance. Oui, bon, ça je ne commence même pas. Vous le trouverez, ça c'est, ouais, non, si, celui-là. Là, après. Attention, j'ai une bande. Ça, carbone, carbone. Je vous rappelle, la France a dit le carbone, 0,3 tonnes par hectare et par an. En France, une tonne d'eau. On en est là. Chez M. Charpentier, 30,5, 6 ans de labour, SCV 37,8, 1,2 tonnes par hectare et par an. Chez monsieur Jean-Claude Quillet, sol que du sable, il n'y a même pas d'argile. On nous avait dit là-dessus, on peut passer 14 de carbone. 18,06 dans cette séquence de 14 ans, là, où il y a 9 ans de labour et 50 TCS après. Et là, il y a 2 ans de TCS au départ et 2 ans de SCV. 18,06, 31. On a doublé quasiment le stock du carbone. L'azote, c'est pareil. Si vous regardez là, la capacité des champs du sol, c'est la même chose. Pardon. Bon, je saute. Ça, c'est toutes les données économiques, je saute. Voilà, on va passer à des images. Alors, voilà, ça, c'est un seul couvert. Et là, il y a 15 tonnes de matière sèche au-dessus. Alors, vous allez dire, ah, ben nous, mais c'est nous. Ouais. Voilà, pas ça. Parce que dans tous les pays du monde, je vous montre, c'est, on me dit, ici, c'est pas pareil. Ah oui, on s'en doutait. Mais moi, je prends des plantes tropicales dans les pays ici, puis je fais un truc qui ressemble à ça. Peut-être qu'il faudra faire un mélange de plantes tropicales et de. Pas un mélange, mais pendant les phases chaudes et où il pleut, s'il y a des étés pluvieux, des plantes tropicales feront des performances comme celle-là. Et elles sont gélides, elles disparaîtront quand on aura les couverts. Et puis après, on utilisera les plantes tempérées pendant les saisons qui sont en mer ou froides. Donc c'est vers là que moi je me dirige. Mais regardez ça, ça c'est assez monstrueux, quoi. 17. Alors, il y a 15 tonnes de matière sèche dessus, mais il y en a 4 dessous en racine. Ça fait 19 tonnes. En carbone, ça fait 9 tonnes de carbone. On injecte dans l'engrais avec un sol protégé, pas de minéralisation de la matière organique, parce que le sol est à la même température, il est protégé du soleil et tout. Et donc là, on arrive à accumuler un paquet de carbone. Allez, on y va. Ça, je vous le montre, la fonction contrôler les mauvaises herbes. Ici, on a des OGM. Cette plante-là, elle est résistante au glyphosate. Et on en trouve tous les jours. Et en France, aussitôt que vous aurez passé 3 litres par an de glyphosate, que vous irez vers 6 litres. 6 litres, c'est la grosse limite supérieure. Et bien, vous allez voir apparaître des résistances. Et après, quand on les contrôle, ciao. Elles sont parties dans les chemins, partout. C'est plus quoi. Alors, moi, je sais faire. Je vous dis ça parce que si vous savez, tant qu'on y passe, ça. Mais quand on sait ce qu'on cherche, on le trouve. Ici, vous remarquez que là, à partir d'ici, ça fait 600 mètres de long, là, cette parcelle. C'est une matrice de système à nous, à Serge et à moi, au Brésil. Ici, il n'y a pas un pied de cette herbe-là. Pourquoi? Alors qu'ici, il a tout bouffé. 2 500 $ d'investissement de coût de charge sur cette culture-là. 2 500 $. Vous imaginez? Et le monsieur, il a 18 000 hectares. Et il en a une douzaine de nids qui sont comme ça. Eh bien, ici, vous savez ce que c'est? C'est simplement une couverture. Vous remarquez que la paille d'ici est plus grosse que celle-là. C'est pas le même couvert. Mais ce couvert-là, c'est le herbicide. C'est du sorgho, fourrager. Mais des guidères qui ont cette propriété d'allopathie, vous faites un couvert avec ça. Donc, ça veut dire que même si les OGM rentrent en France, ils finiront par y arriver, avec les lobbies qui y a derrière, le jour où ils arriveront, ils créeront des résistances des plantes, on sait comment les arrêter aussi. Ça, c'est aussi un espoir. Parce que ce qui le désarroi, c'est quand on ne sait pas ce qu'on va faire de ces plantes qui s'échappent dans la nature pour faire n'importe quoi. Allons-y. Alors, ici, bon, c'est pareil. Ici, j'ai une couverture qui dure, et là, une qui était, elle n'est pas que celle-là au départ, mais au bout de 70 jours, elle a disparu. Maintenant, il faut appliquer des herbicides et autres. Vous remarquerez aussi que le coton, vous voyez là, il est plus beau sur cette partie où il y a cette grosse couverture que là-bas. Bon, enfin, les exemples, je vais avancer rapide, vas-y. Ça, c'est dans du soja. Vous voyez que moi, je n'ai pas fait marier deux légumineuses ensemble. Le couvert vivant, là, c'est une légumineuse qui est dessous. Ça, c'est au Brésil, dans le Nord, et ça se passe dans la zone chaude, vas-y. Alors ça, vous remarquez ça. Vous avez vu la couleur du maïs, là? Depuis 6 ans maintenant, on gagne entre 400 et 700 kg de maïs, de grains, en plus par rapport à la culture pure. Et on met deux plantes au lieu d'une. C'est fort. Plus on en met, plus on produit. C'est bon.
De, je parle de maïs grain. Il pleut. Non, les endroits, il pleut. On a 60 jours de pluie sur le maïs, et après, saison sèche. 19% d'humidité dans l'air, donc air très sec, on sait une ouais. Et il n'y a plus d'eau jusqu'à la fin du cycle, c'est-à-dire il a à peine mis ses sa floraison mâle qu'il n'y a plus d'eau du tout. Donc il y a une pression pour l'eau extraordinaire. On y va. Là je vous montre un maïs associé à une plante, une légumineuse, c'est là, à une graminée, il n'y a pas photo. Hein. Et la taille des épis aussi, bon, on ne les voit peut-être pas très bien, mais je peux vous dire que c'est complètement différent. Allons-y. Alors regardez cette photo. Ici j'ai 160 hectares de maïs pur, un hybride de haute voltige. Et ici, j'ai le même hybride, c'est 160 hectares, planté à la même heure. Sauf qu'ici j'ai trois plantes, j'en ai mis deux. Mais il y en a trois, il y a du maïs, il y a une légumineuse de type fébrole, qui ressemble à une fébrole, et une élusine, qui est une graminée mais qui fixe de l'azote. Et qui a un des systèmes racinaires les plus puissants du monde. Et bien regardez, où est-ce que le maïs est le plus beau? Il n'y a pas photo quand même. Alors malgré qu'on n'aura pas d'eau après 60 jours dans le maïs et qu'il y a donc une grosse compétition pour l'eau, eh bien je vais produire au moins une tonne de maïs de plus ici dans ce mélange-là que là. Ok? On avance. On va aller en climat, ça c'est toujours en climat tropical, avance. Ça aussi, toujours des couvertures vivantes, ça c'est aussi du coton sur couverture vivante, avance. Ça c'est sur du chien d'or. Alors, quand on dit la surface du sol le sort couvert, il y avait un leitmotiv au Brésil qui disait paille, il faut de la paille dessus. Et moi je disais, j'arrivais derrière le mec et je marchais dans l'allée en même temps que lui. Il y avait 5000 mecs devant, je disais racine. À tous les deux on peut s'entendre. Parce que ce qu'on voit au-dessus, c'est une chose, ce qu'il y a dessous, c'est très important aussi. Alors quelques photos, regardez, là on porte les machines comme on veut. Il peut tomber 60 mm hier, l'eau court derrière les roues de Moisbat et on ne la voit plus dans la seconde qui suit. C'est-à-dire que le profil se tasse, il ne s'ouvre pas. On ne fait pas d'ornière et il revient à sa position primitive immédiatement derrière. C'est les profils résidents. Allons-y. Vas-y, voilà. Voilà. Oh, regardez cette plante, les racines. Vas-y. La voilà encore dans un autre sol. Simplement pour vous montrer ces aspects-là. Vas-y. Parce que voilà, 60 jours, on fait 2 mètres de profondeur quand les sols sont profonds. On s'enracine sur 2 mètres avec des espèces qu'on a choisies aussi pour leur agressivité racinaire, pour qu'elles aillent, elles injectent du carbone en profondeur, restructurent les sols et aillent chercher l'eau profonde qui a échappé aux premières cultures, qui sont des soja qui sont enracinés sur 80 cm. Et des maïs et autres, vont à 2 mètres et au-delà. Allons-y. Bon, vas-y, je ne commente pas. Ça, c'est des mélanges de plantes, ça, je ne commente pas non plus. Vas-y. Et ça, qui c'est qui peut imaginer un truc pareil? Einstein, c'est un petit garçon, hein. Mais lui, il savait. Même si c'était un mec qui est connu. C'était un petit mec. Parce que comment, lui, si on lui avait posé la question, est-ce que tu crois qu'un jour, il y aura des organismes vivants qui viendront dans ma parcelle de culture pour faire 25 trous en moyenne au mètre carré. Et puis regardez les galeries jusqu'à un mètre de profondeur. Hein. Là, il tombe 1500 mm dans 2 heures, il n'y a pas une goutte d'eau à la surface du sol. Et il nous a amené de la matière organique dans les sols en profondeur là-bas. C'est un bousier, un coléoptère. Ceux qui poussent les bouses avec en se retournant, là, vous les avez peut-être vus au cinéma. Voilà. Et qui pouvait imaginer que sur ce couvert-là, il a dû téléphoner à tout le monde, sur des centaines de kilomètres, pour les faire venir pour que tout le monde fonde ici. Et regardez ça, jamais vu ça. Alors, ça fait partie de la modestie de tout à l'heure. On ne peut pas imaginer, avec ces outils biologiques, où est, jusqu'où on peut aller. Je ne parle pas des effets négatifs, il y en a des fois de temps en temps, mais dans les effets positifs. Vas-y. Ah, en France, chez mon ami Jean-Claude Quillet, vous pouvez rentrer avec votre acteur si vous voulez, là, mais moi j'attends, hein, je suis au chaud là-bas. J'attends que vous ayez fini. On y va. Bonjour. Voilà, ici. Salut. Bon. Ici, vous avez un suivi direct chez Jean-Claude Quillet et puis un labo côte à côte. Même réflexion. Si vous voulez travailler par là, allez-y. La gueule du blé, d'ailleurs, il a l'air tout à fait à l'aise. Allez-y. Alors, il est en train de semer pendant qu'il récolte. Bon, il y a beaucoup d'entre vous qui doivent déjà faire ça. Là où on peut le faire, allons-y. Bon, le voilà Jean-Claude. Alors, j'ai amené des plantes comme ça. Bon, ça fait partie de ces espèces-là qui sont très minéralisées. C'est les plus riches. Pour recycler des nutriments du sol, pour les rendre aux cultures, c'est parmi les plus riches. Et en plus, c'est de la bouffe macrobiotique. On peut la donner aux animaux aussi. On peut faire 4 tonnes d'hectares avec des plantes comme ça. Bon, allons-y. Alors ça, c'est en Canard, chez Sandrine et Alain. Là, il y a 5-6 plantes ensemble. C'est des couverts assez classiques avec la multifonctionnalité des couverts. Vas-y. Vous voyez, la geste au milieu du couvert, elle a quand même de belles nodosités pour fixer de l'azote. Vas-y. Alors ça, c'est des mélanges de plantes
annuel pour sortir le glyphosate. Moi, je sors le glyphosate partout. Et je veux arriver à du bio. Et j'y suis au ras du bio. Dans certains cas, j'y suis déjà. Mais du bio avec sol protégé, toutes ces fonctions que vous voyez là. Et moi, c'est, si vous faites 85 cathos avec votre chimie, moi j'en fais 90 ou 95. Donc j'ai pas perdu la moitié de la production comme en bio, on n'est pas très loin d'en perdre, c'est entre 50 et 30% ce qu'on perd. Et les mauvaises ondes plus, parce qu'on ne peut pas circuler, on ne peut pas enlever l'air, on se fait bouffer par l'air, enfin bon. Voilà, alors il y a plein de fleurs aussi, c'est pour attirer les auxiliaires, passons. Vas-y, voilà, donc dans le passage, boum, pas de glyphosate là-dedans. Alors ça, regardez, ça c'est là, c'est au Canada, donc sur l'usère vivant, du maïs, vas-y. Vous voyez quand même que le maïs, alors dans cette photo, vous voyez que les feuilles du bas sont très vertes. Elles fonctionnent très très bien, il n'y a pas de grain d'azote. Et il y a une légumineuse avec. Allons-y. Vous voyez la pelle des épis à droite. Vas-y. Cette année, j'en viens, on a même mis des laisses velues avec les maïs. Là, c'est pareil, c'est monstrueux, quoi. S'il laissait aller le grain, et qu'on ne soit pas très embêté, parce que la veste va s'arrêter maintenant de finir de pousser, là. Mais là, on a les protéines en plus, l'ensilage qu'il va faire, là, c'est fantastique. Et le maïs, il est à 13-14 tonnes en grain, si on laissait arriver là-bas. Allons-y. Alors là, vous voyez, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, le semi de soja, de blé dans à la volée, en début de défoliation. Voilà, ces techniques-là partent à toute vitesse, parce que c'est vraiment une trouvaille, et qu'on n'a pas besoin d'intrants, très peu, et qu'on produit plus que les blés de printemps qui sont chargés de variétés et de molécules chimiques. Allons-y. Vous voyez, ça donne ça. C'est quand même assez beau. Vas-y. Alors là, c'est en oraison, ça, dans la Drôme. Allons-y, avec plusieurs fois, vous allez voir. Alors regardez là, il fait sec. C'est très drôle quand même. Il fait sec. Regardez le maïs ici, et le maïs avec le 5 fois là-bas. Quand même, c'est pas normal ça avant. Tout ce qu'on a appris à l'école, il y a deux plantes, il y a une phase sèche. Et ben, là où il y a la plante, deux plantes ensemble, ben, le maïs, il va en prendre plein la tête. Surtout que le 5 fois est beaucoup plus, pompe mieux l'eau, et la tirera pour lui contre le maïs. Eh ben non, mais c'est que si on prenait la température des sols, par exemple, on verrait un nouveau paramètre. C'est que le sol devant, là, il peut monter jusqu'à 48 degrés dans les 5 premiers centimètres, les racines ne fonctionnent même plus. Alors que là-bas, la température du sol, elle est à 23 ou 24 sous le 5 fois. Donc le bilan de l'eau, il faut le refaire. Et avec les couverts, il faut les refaire. Allons-y. Alors, les variétés, c'est important aussi, mais bon, c'est la dernière route de charrette. Mais elle est importante. Quand vous avez des couvertures vivantes, il faut des variétés agressives, il faut revoir leur espacement. Parce que pourquoi? Le secret des couvertures vivantes, qu'est-ce que c'est? Vous plantez, que ce soit des graminées vivantes ou des, pour planter des céréales et autres, des graminées pour planter des légumineuses ou l'inverse, ce qu'il faut faire, c'est que vous avez un tapis vivant pérenne et que vous avez 40 jours pour le contrôler. C'est les 40 premiers jours avant que l'ombre, qu'il soit à l'ombre. Une fois qu'il est à l'ombre et couvert, eh bien il est à l'état de vie ralenti. Il peut faire des racines, il continue à travailler, mais il vous en fait plus. Ok? Donc c'est là où on peut réduire les herbicides. Je ne vais pas le tuer, là je mettais un litre de fusillade sur mes graminées, et bien maintenant je travaille à 0,2 litres. Et là je le calme, et pendant ce temps-là, la culture couvre dessus. Aussitôt qu'il est en l'ombre, c'est fini. Et aussitôt que la lumière va repénétrer à la fin du cycle des cultures, et bien le couvert va repartir. Et comme c'est des couverts totalement dominants sur la flore adventice, vous agriculteurs, vous n'avez plus qu'une plante à gérer. Au lieu d'en avoir tous les ans 40 qui sont différents, et que comme vous avez des hybrides nouveaux, vous avez des. J'ai vu maintenant que les clearfields de rentrée pour le. Enfin, ce bordel pas possible. Ce que je veux dire, c'est que vous avez cette flore, elle change tout le temps, et donc il faut des nouveaux herbicides, enfin, c'est tout cet appel vers la chimie. Alors que là, ces plantes sont dominantes sur tout ce que vous voulez. Je vous ai montré tout à l'heure un cas où même des plantes résistantes au glyphosate, je les contrôle avec un couvert. Donc ça veut dire quand même que vous êtes obligé de réduire. Donc le gouvernement, ça, il devrait s'inspirer de ces choses-là et faire une promotion pour ces choses-là. Alors il y a des formes pour les faire, ça ne veut pas dire donner encore des subventions, mais les donner intelligemment. Sans ceux qui rentrent dans ces trucs-là, ben voilà, on va les aider, pourquoi pas, parce qu'il faut que ça avance, ça. Ok? Et ben là, vous voyez qu'il y a des variétés, enfin, on verra ça plus tard, en façon, allons-y. Là, bon, c'est des petites luzernes à l'UN, ça c'est très joli, parce que c'est beaucoup plus rapide que les luzernes. Que les luzernes pérennes et ça couvre le sol, ça enrôle d'herbicides dans le maïs, là. C'est ce qu'on est en train de construire du côté d'horizon. Vas-y. Alors, ça, c'est blessure luzerne vivante en volage. C'est lui qui m'a traité ça après. Passons. Vas-y. Encore. Regardez, j'essaye de plus mettre de fongicides non plus. J'ai plus de phosphore, j'ai plus de potasse dans ces systèmes ici en Camargue. Je suis sur couverture vivante de luzerne pour mes blés, des blés durs. Et j'essaye aussi de ne pas mettre du tout de fongicides.
Et avec du trichoderma, mais il y a d'autres outils de l'écologie microbienne qu'on peut utiliser pour ça. Mais simplement un exemple, vous voyez que les épis ne sont pas touchés d'ailleurs, laissez les feuilles. Avance. Voilà, avance. Voilà, alors si on met un traitement de un quart de dose chimie avec du tricot, alors là on est propre complet. Alors si vous repensez une année comme celle-là qui a été grave, avec climat froid, humide tout le temps jusqu'au mois de juin, jusqu'à l'épiaison, où il y a des gens qui ont appliqué deux doses pleines de fongicides, moi je suis à un quart de dose avec du trichoderma. Ça veut dire impact environnemental, zéro. Et puis, j'ai quand même une culture propre. Et vous allez voir le bout. Vas-y, avance. Voilà, vous voyez la lisière tombée là. Voilà, la récolte, vas-y. Voilà ce qu'on a produit en bleu dur. Cette année catastrophique. Bon, on peut faire pire. Hein? Non, ce que je veux dire, je réponds à tout à l'heure à toutes les têtes qui s'imaginent que quand vous enlèverez toute la chimie et tous ces engrais minéraux et tout ça, quand on va réduire tout ça, les rendements vont s'effondrer. C'est là-dessus qu'on tient toute la société, tous les paysans du monde. Et que et j'ai rien contre les multinationales, j'ai fait gagner beaucoup d'argent dans 100 ans, je peux vous le dire, ça j'en suis sûr. Et donc j'ai rien contre rien, moi, rien. Seulement, il y a des moments, il faut arrêter un peu, quoi, je veux dire. On peut pas. Alors là, vous voyez que on peut faire du 8 tonnes 3 de blé dur, c'est quand même pas si commun que ça. On a déjà fait du 90. Et surtout, c'est la régularité du rendement. C'est-à-dire qu'une année catastrophique comme cette année-là, les voisins, il y a longtemps qu'ils n'ont plus de blé, ils ont semé du riz, ils l'ont perdu aussi, et puis il y en a qui n'ont plus rien ressemé derrière. Et bien là, elle fait ça, elle a fait sur son ensemble, sur toutes ses parcelles, elle a fait du 65 tonnes, une année catastrophique en moyenne, avec des coûts qui sont de l'ordre de charges opérationnelles culture qui sont bien en dessous de 300 euros. Notez bien, hein, au prix, ils sont payés ces choses-là aujourd'hui. Allons-y. Là, tu peux sauter. Parce que, bon, c'est les règles de base, ils les trouveront dans les documents, allons-y. Voilà, aussi, on saute. Je montre comment, maintenant, vers quelle perspective on va avec tous les produits, comment on va faire. Bon, enfin, ça, il nous faudrait des heures. Vas-y, avance, toujours. Voilà, alors, dans les produits de l'écologie microbienne. Vous savez, on vient chez vous, on vend du trichoderma. L'année prochaine, le mec qui vient, il vous vend du bacillus subtilis. La troisième année, il vous vend du peucilomès, je ne sais plus quoi. Chaque fois, 40 euros à l'hectare. Ok. Alors après, si c'est lui qui a les trois, il vous dit, ben, vous devrez mélanger les trois. Parce que là, c'est super. C'est 120 euros, quoi. C'est la moitié de nos coûts de production en eau. Donc ces produits-là, les gens qui viennent les uns derrière les autres, on est en train de faire exploser tout ça et de voir avec des labos comment on prend votre parcelle. On regarde toutes les souches vivantes qui sont là-dedans, qui potentiellement, il y en a qui fixent l'azote, d'autres qui contrôlent des petites bestioles. Toutes les fonctions positives pour les relations au sol plan, on les prend, on les booste, on les multiplie par 10 puissance 15 et on vous les rend. Elles viennent de votre parcelle. Et là, vous les remettez dans vos parcelles, on traite les semences avec, je l'applique en foliaire, mais c'est des doses du genre 200 grammes à l'hectare. Vous voyez que c'est vraiment comme ça. Et ça coûte pas cher. Alors, regardez là, c'était un exemple, c'était le Baga. Là, on a mis des azotobactères. On a traité les semences avec, regardez, c'est 4 lignes, il n'y a pas d'azote. C'est 4 lignes de maïs là, jusqu'ici, là, 1, 2, 3, 4. Et regardez là où on l'a pas mis, ce petit produit là, ce ferment. Multisouche, enfin là il n'est pas multisouche, il est azotobactère, c'est-à-dire fixé de l'azote. Moi mon ambition c'était de gagner encore 40 kg d'azote, c'est-à-dire 100 kg d'urée, de les retirer du système pour les 15 tonnes de maïs. Bon, vous voyez que c'est bien parti, on va voir, je vais voir ça dans les jours qui viennent, mais il n'y a pas de raison pour vous, on ne retrouve pas tout ça. Allons-y. Alors regardez au stade 8 feuilles ou quelque chose comme ça, 1, 2, 3, 4, mais regardez derrière, ça se casse la gueule sérieusement, on revient beaucoup plus petit, fait 30 cm de moins, et de ce côté-là aussi. Donc on voit que ce qu'on a vu dès le départ, eh bien ça a l'air de la culture continue. Et vous savez que le maïs, il faut qu'il démarre plein pot et qu'il soit très vigoureux dès le départ. C'est une assurance qu'on risque de bien produire s'il n'y a pas trop d'accidents. Voilà. Alors ça, c'est le nouveau système que je vais faire. Vous voyez, il ne reste pas. Le temps est déjà dépassé. Ah, excuse-moi, donc je termine. Alors, je suis désolé, t'aurais dû me le dire avant. J'aurais pu excuser encore. Ah oui, ça, danger. Alors celui-là, moi j'en ai des heures avec ce sujet-là. Sur le glyphosate, ça ne veut pas dire ne l'utilisez plus, je dis attention. Attention. Tous les champignons reviennent, les pitiums, les fusariums, les rhizopteriums, reviennent dès le semis. Il y a des grosses pressions aux États-Unis, j'ai croisé les Américains l'autre jour, j'étais au Canada, on en reparle.
Là, il y a un cheminement qui est gravissime et je vous dis de vous méfier. Donc, si vous utilisez du glyphosate, vous allez traiter vos parents, très bien, non problème. Et vous utilisez des systèmes à multifonction comme les miens, qui sont des systèmes de biorémédiation, c'est-à-dire on va s'occuper d'enlever la nocivité, la toxicité du glyphosate sur un temps très court. Et c'est là-dessus que je travaille aujourd'hui. C'est utiliser un peu n'importe quoi, même des biotechnologies qui ont l'air très dangereuses, mais d'avoir juste derrière, ou en mélange avec la culture, des mélanges de plantes qui vont désintoxiquer le sol et casser ces molécules qui deviennent terribles aussitôt qu'on ne fait rien et qui n'ont justement pas de couvert. Bon, je vous le dis, regardez ça. On peut semer là où on ne se met pas avant une culture, elle était réservée à telle zone. C'est faux. Avec les SCV, c'est faux parce que les SCV sur l'eau, l'efficacité de l'eau, c'est, ça n'a plus rien à voir. On a vu tout à l'heure quelques images. Je fais du coton en plein Amazonie, c'est pas sa place, il n'a rien à foutre ici. Mais on fait les plus grands cotons du monde, productivité 5 tonnes par an. Eh oui. Alors qu'il n'est il est pas de là. Là, il tombe 2,50 m d'eau, alors que le coton, c'est 800, 700 à 900 mm. OK ? Avance. Vas-y, regardez ça, c'est quand même beau. Oui, et alors on récupère tous les sols fertiles, stériles et autres. Vas-y, avance. Tu peux avancer. Voilà. Je vous montre des petits sols comme ça, vous avez vu ça ? Alors regardez ce que je vous disais tout à l'heure, ici. Regardez ça, la prochaine. Voilà. Non. Elle est sautée. On l'a sautée. Voilà. L'éleusine, la plante que je vous ai dit qui fixait de l'azote, regardez bien ici. Ce sol est un sol du Cambodge. Il n'y a pas de phosphore, il n'y a pas de potasse, il n'y a rien. Les EBA poussent. Oui, c'est une forêt. Mais regardez le maïs, il est mort. Il est mort. Fini. Terminé. Lui, c'est une légumineuse, mais très puissante et qui pousse dans les sols où il n'y a pas de fertilité. Elle est capable d'extraire du phosphore, des oligo-éléments. Voilà. Et bien regardez, elle est nulle. Regardez l'éleusine. Elle est là, on la voit qui déborde ici, et là. Elle est complètement normale. Pourquoi ? Parce que dans ce sol, il n'y a pas de phosphore assimilable, elle va le chercher avec les mycorhizes. C'est une des plantes les plus mycorhizées de la planète. En fait, des espèces cultivées que nous connaissons. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tire le phosphore que les autres ne peuvent pas tirer, et elle fixe de l'azote avec des bactéries libres dans sa rhizosphère. Donc, elle a l'azote, le phosphore, et les mycorhizes se chargent d'aider à recycler les oligo-éléments, le peu qu'il y a et tout ça, et la plante est complètement normale. Alors, au lieu de mettre une tonne des amendements de fond avec 400 unités de phosphore pour mettre ce sol en route, plus 200 de potasse, plus du calcium parce qu'ils sont très acides et des 3 tonnes de calcaire et tout ça, mais j'utilise la petite plante d'eau là. C'est quand même plus élégant, non? Parce qu'elle pousse et que là-dessus, l'année prochaine, sur un sol où rien ne pousse, elle pousse, elle fait une grosse biomasse, elle restructure les sols et l'année prochaine, en se décomposant, je pourrais faire pousser du maïs dessus, du riz ou autre chose. Voilà. Donc, ça vous montre un peu la force quand même des plantes. Et quand j'ai défini les fonctions au début, quand je vous ai mis les fonctions, c'est qu'une fois que ces fonctions ont été définies, et il y en a d'autres qui sont juste rajoutées à ce tableau qui date de 1990, c'est que quand vous savez ce que vous cherchez, vous allez le chercher. Avant, on ne savait rien. Donc, au moins, ça a eu le mérite de dire, tiens, j'ai des choses pour les mauvaises herbes. Là, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est pour restructurer mon sol là, qui, tous les ans, est compacté. Qu'est-ce que j'ai dans mon, que je peux intégrer dans mon système qui va décompacter? Bon, voilà. Allons-y. C'est presque fini. Voilà. 5 minutes. Ouais, ça ne pousse plus. Allez. Là, ça ne pousse pas, il n'y a rien qui pousse. Et puis en plus, ces pauvres gens, là, j'ai fait des mélanges de plantes. Voilà, pour... et vous voyez qu'elles poussent bien. Regarde, vas-y. Ça, c'est un parasite. Ces pauvres Africains, ils mangent du mil, du sorgho. Très indigeste, je peux vous le dire, plein de tanins. Et ils sont condamnés, c'est la fatalité depuis un siècle et demi, ou deux ou trois, depuis qu'ils sont là, à manger que ces deux-là. Pourquoi ? Parce que ces plantes-là résistent aux conditions terribles des sols et du climat. Et bien, et puis, en plus, ils ont un parasite qui se met dessus. Et lui, il vit sur la plante. Donc, quand on était à 1000 kg par hectare, on passe à 400 kg. Donc, la fin du truc. Allons-y. Voilà, moi j'ai supprimé avec les couverts végétaux. Le parasite, il n'y est plus. Ça a été vite fait. Hein. Après, ensuite, vas-y. Et puis, j'en fais du riz, moi. Là où ça paraissait impossible. Mais si je fais du riz, je fais du maïs. Donc, d'un coup, j'ai gagné deux plantes. C'est ça ce que j'appelle élargir l'aire géographique des cultures et récupérer des sols qui sont ou stériles, ou naturellement peu fertiles, et qui ont des gros problèmes, qui sont déséquilibrés, ça nécessite des amendements, et eh bien on peut récupérer tout ça. Si vous réfléchissez à ce que je vous dis, même chez vous, vous avez des frais en pente, machin, truc, la bidule, qui demain matin rentre dans le semillage, en plus dans une prairie naturelle, elle peut être plus facile, c'est un support extraordinaire. Je veux dire, la France pourrait drainer des dizaines et des dizaines de milliers d'hectares en plus, des centaines, en attaquant des parcelles qui, normalement, avec des outils de travail du sol, on peut rien faire. Bon, vas-y. Ça, c'est les mecs qu'on vous dit, c'est merci Monsanto, je finis. Voilà, les sols sont morts. Voilà, Monsanto, 2500 $ à l'hectare. Le coton que vous avez vu tout à l'heure, qui était haut comme ça, à 5 tonnes, voilà comment il est.
Alors là, les mecs ont commencé à s'inquiéter. Alors j'ai résolu ça avec Mozi, très vite, en 80 jours, vas-y. Voilà. J'ai mélangé des plantes, j'ai mis des bioproduits pour enlever la toxicité des molécules, j'ai fait tout un ensemble de choses avec le propriétaire, et je lui ai dit, ça ne coûtera rien, tu vas gagner de l'argent. On va récupérer ton sol qui est mort, et en plus tu gagnes du fait. Alors regardez le sorgho, 80 jours après, qui peut croire que 80... Alors il y a 4 ou 5 plantes dedans, des plantes de service qui sont là avec le sorgho. Mais j'ai fait du maïs aussi, regardez, le maïs on a fait, c'était une variété en plus, je ne peux pas aller chercher d'hybride, donc ça coûte pas cher, et on a produit 4 tonnes 8 ou presque 5 tonnes de maïs, et ça m'a coûté 2 tonnes, quoi, tout ce que j'ai mis dedans, et j'ai nettoyé le sol, je pense, c'est le coup. Alors on peut dire, oui, mais qu'est-ce que c'était? Moi, il y a plusieurs éléments qui ont joué là-dedans, mais d'un seul coup, d'un seul, on donne des solutions, démontons la machine, la recherche a travaillé sur ces sujets-là. Moi, je sais déjà pourquoi, regardez ce sol qui était mort tout à l'heure, voilà, magnifique. À toute vitesse maintenant, on va se tourner. Ça, c'est les unités de recherche sur Rosenbrot, 900 hectares, vous en voyez une ici. Voilà sur quoi je travaille. La France, tant qu'elle ne fera pas, j'en ai, c'est pour ça que je ne voulais plus bosser dans ce pays, c'est qu'elle fait des plateformes. Alors, les plateformes, alors là, oubliez les semences de machin, monsieur, je vous prends des vidéos qui aiment la manche, il a fait très super truc, planté du seigle forestier, enfin tout. Voilà, mais très bien le seigle forestier, mais les mélanges, on en fera, c'est mieux que ça, le truc, mais oui, et l'année prochaine. Ils sont ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, on va recroiser tout ça, là, qu'est-ce qui se passe l'année d'après, là, sur les mauvaises herbes. Surtout, la productivité des cultures qui sont là avec le même niveau d'attente. Donc, ça veut dire qu'il faut monter des systèmes de culture que l'on pérennise et qu'il faut monter des plateformes de systèmes que l'on pérennise sur lesquelles on verra les performances de production et sa stabilité ou sa fluctuation interannuelle face à la variabilité climatique aujourd'hui qui est monstrueuse. Et on verra les techniques, la facilité, les rendre de plus en plus accessibles, les simplifier encore si on peut le faire, et l'économie. Et il y a des grandes pancartes de 4 mètres sur 4 où tous les résultats de l'année dernière, ils sont ceux de cette année, et là on y passe 3 jours. Et les gens là, monsieur Le Foll, il est grand, lui il peut passer par-dessus les maïs en les regardant encore. Eh bien, il pourrait peut-être venir, si par exemple sur le réseau de cette année, il avait mobilisé 3000 mecs, ici, là, 2 jours, là. Mais oui, des caravanes, on va voir. L'agriculture qui va le faire de la fin de ce siècle, on l'a déjà. Et on va l'améliorer. Et moi, je sais comment je vais l'améliorer encore. Mais bon, il y a ça, et puis, voilà. Ah oui, il faut, les mecs, là, ils bossent bien, mais c'est super, ce qu'ils font. Moi, j'avoue. Ok, fini. Vas-y, juste de venir. Ça aussi, bon, je ne vous en parle pas non plus. Vous trouverez ça dans mon truc. Voilà, ce petit truc là, j'aime bien cette. C'est moi qui ai inventé cette petite phrase gentille quand même. Caressant la terre dans le ciel des vers. C'est pas mal, non? Ouais, c'est joli. Vas-y, et le dernier truc alors, vous voyez ça, cette image là, j'y tiens beaucoup. Et quand les gens la voient en général, ils disent. Eh, putain, son labo, il se fout de la gueule du monde. Là, il se fout de la gueule du monde. Mais mon labo, c'est pas lui là. Parce que lui, mon vélo, des fois, j'en ai un qui est là, on dit, mais c'est lui là. Voilà le labo dont je parle. C'est celui-là. C'est le biomimétisme. C'est là où on va chercher tous ces modes de fonctionnement et on les transpose à nos agricultures parce que c'est eux qui vont nous aider à enlever toute la chimie qui nous pollue, qui vont les restaurer. Et voilà, c'est mon laboratoire. Voilà, je vous ai mis quelques documents. Vous trouverez, vous avez tout là, on vous dit où aller le chercher, comment le chercher. Il y a quelques. Vous verrez ce doc là, celui-là, c'est un tout petit. Il y a des livres aussi. Là-dedans, je vous ai parlé de l'agriculture mécanisée, mais on travaille beaucoup avec les paysans. Voilà. Donc vous saurez où aller chercher tout ça. Et ceux qui s'intéressent, après il y a le réseau que je pilote en France, je pilote en ligne quand je suis là parce que je suis sur tout le continent et tout le temps. Mais je pense que c'est facile, il y a un accès au réseau. Pas tout le monde a la voix, mais ça peut s'organiser avec les propriétaires pour aller voir où les gens en sont. Voilà. Je m'excuse d'avoir roulé trop long. Merci de nous avoir fait beaucoup voyager, mais d'être resté puissamment sur Terre et même d'avoir creusé en dessous. On va passer maintenant à une application très concrète en France, de ces techniques et de ces principes surtout, parce que c'est plutôt des systèmes que des techniques. Voilà. Donc je vais céder la parole à Christian Abadi. On va passer avant cela un film qu'on a tourné chez lui, qui va vous expliquer in situ comment il parle. Monsieur
Abadi, c'est à vous pour une prise de parole et nous donner quelques détails supplémentaires sur, sur votre travail. Bonjour à tous. Pour passer après Lucienne, ça va être quand même une épreuve. bon, je vais essayer de ne pas faire trop de doublons puisque il y a eu cette vidéo. Donc moi, pour résumer un peu, je me suis installé donc, en 83 il y a 30 ans, sur des terres qui étaient à 3% de matière organique et en 2000, donc, j'en avais perdu la moitié. Donc c'est pour cette raison que là, nous avons réfléchi à un système pour essayer de stopper cette hémorragie, voire de regagner. Voilà ce qui a été fait. C'est pour ça qu'on est passé directement donc, du labour au semi-direct. La prise de conscience, donc, mais c'était cette fameuse perte de matière organique, c'était l'érosion des sols, puisque sur des boulebènes très battantes, après les orages, il y a toujours des pertes. On s'est bien rendu compte que pour stopper et améliorer le système, il fallait donc, après avoir rencontré des agriculteurs qui pratiquaient et des agronomes, la solution c'était donc de stopper le travail du sol, le couvrir et refaire de la rotation. Et moi ce qui m'a un peu alarmé quand même, c'est que je pensais être dans un système qui n'était pas mal, c'est-à-dire avec de l'élevage, avec sur certaines parcelles dont il y a eu des luzernières, dont l'élevage dit apport de fumier, et malgré ça, avec le labour, on perdait de la matière organique. Donc c'était quand même assez alarmant. Et aujourd'hui, on a regagné sur l'horizon de surface ce qu'on a perdu, voire on est remonté même légèrement au-dessus. Ensuite, il y a eu les premières années, c'est vrai que c'était, on était plus ou moins seul, bon, c'était quand même un peu compliqué. En 2005, là où j'ai adhéré à AgroDoc, on a pu améliorer les résultats. Il y a 3 ans, il y a une étape supplémentaire où on a recherché l'autonomie en protéines donc pour diminuer le coût de production. Et ça nous a, ça a été un peu la grosse surprise, ça nous a, dirigé vers la... ça nous a apporté plutôt la double culture. Parce que ces fameux métayes, comme vous avez vu sur le film, là, sont récoltés début mai. Et là, c'est très facile d'en faire une deuxième, soja ou maïs. Bon, généralement, c'est le soja. L'avantage, c'est bien sûr, on augmente la surface de vente, puisqu'il y a, un tableau où on voit, disons, l'évolution, où en gros, en 3 ans, on est passé de 20 hectares, ou en 4 ans, de 20 hectares de surface vendue en céréales à 80 pour cette année, puisque les 3 quarts de la, ou je dirais même les 80-90% de la surface sont en double culture. C'est-à-dire ça peut être donc métaye plus soja ou maïs, ça peut être blé plus métaye récolté, ça peut être orge plus soja, mais tout ça en essayant de produire également de la biomasse pour le sol, parce que ça veut dire qu'il faut produire 3 fois, c'est-à-dire produire du grain, nourrir un troupeau et nourrir les vers de terre. Donc c'est quand même, il faut surtout pas oublier, disons, la nourriture, l'apport sur le sol. Concernant l'amélioration du trafic, c'est vrai que de plus en plus on parle de la localisation du trafic.
La localisation du trafic, pour moi, c'est sûrement intéressant quand on travaille le sol, quand on le gratouille, mais quand on est en semi-direct, pour moi, ça ne sert à rien du tout, puisque quand on est éleveur et qu'on est en double culture, eh bien, ça veut dire qu'on récolte, on fait deux récoltes par an, bien sûr deux semis, mais on fait deux récoltes par an, avec des remorques qui vont dans les champs, puisque quand il y a une ensileuse, eh bien, il faut que les remorques suivent l'ensileuse. Ensuite, il peut y avoir un troisième chantier qui est un chantier d'épandage d'effluents, c'est-à-dire lisier ou fumier. Lisier, c'est cuve de 16 tonnes, fumier, c'est 15 à 20 tonnes, ça c'est un entrepreneur qui le fait. Et là, il n'y a pas question, il n'y a aucune, là on ne se soucie pas du trafic, là ça passe ou ça passe. Quoi. C'est pour dire que quand on est vraiment en semi-direct, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Voilà. Ensuite, gain de temps, ça c'est sûr, mais bon, il faut quand même faire ce qu'il y a à faire. Hein. Après, les avantages agronomiques, bien sûr, ils y sont, hein, puisque là, je disais, il y a la reprise de la fertilité du sol. Ce qui est à noter, c'est que l'exploitation fait l'impasse de PEK depuis maintenant 25 ans, hormis un tout petit chouïa de starter pour le maïs. Au niveau des rendements, bon, maintenant, disons, le constat, c'est qu'on arrive à faire plus que ce que l'on faisait avant, avec un peu moins d'intrants. Ça c'est un tableau de soja. Soja fait en deuxième culture d'ailleurs, après un métail, on voit que deux variétés sont arrivées à 50 quintaux. En maïs, bon, c'est pareil, on voit d'un hybride à l'autre, on voit des écarts très importants qui peuvent aller, c'est dommage, il n'y est pas, mais il y a des écarts qui peuvent aller presque du simple au double, c'est-à-dire il y a des hybrides qui ont fait 80-90 quintaux et juste à côté d'autres qui sont arrivés à passer les 150. Donc on voit qu'il y a quand même il y a du potentiel dans cette technique. Ensuite, cette année, la nouveauté, c'est le semis à 37,5. Maïs et soja ont été semés avec le même semoir à 37,5. Aujourd'hui, c'est un peu trop tôt encore, mais apparemment, ça a l'air très prometteur. Bon, il me tarde la récolte pour voir les résultats. Ça, c'est l'IAD qui a sorti, ce sont des indicateurs sur un graphique qui permet, ce ne sont pas des normes, ce sont des indicateurs qui permettent de se situer par rapport, c'est 2012, je crois, par rapport à 2010, ça permet de voir, quelques évolutions. Ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, la gestion de l'eau. On sait très bien que dans cette technique-là, on arrive à économiser de l'eau, puisque là, par exemple, il y a 1120 mètres cubes d'eau à l'hectare pour assurer deux récoltes, sachant qu'une, de toute manière, est produite sans irrigation, hein, et l'autre, avec 11 à 1200 millimètres, un mètre cube, je veux dire. Voilà. Le gros dossier, c'est justement de diminuer la chimie, là on est tous conscients que moins on pourra en mettre, mieux on se portera, que ce soit le sol, les plantes et même nous, ouais, pour le portefeuille. Je ne sais pas en quoi ça en est là. C'est bon, je crois qu'on est arrivé au terme, ouais. Mais vous allez avoir le loisir d'interroger M. Abadi à la fin de la conférence. Là, on va remonter un peu plus au nord et aller chez M. Charpentier, chez qui un film a été tourné également. On va le lancer et puis après il interviendra. Alors ce n'est pas fini pour Hubert Charpentier parce qu'il va compléter les informations qu'il vient de vous donner. Voilà, je crois que ça marche. Oui, bonjour. Je vais essayer d'être rapide car on va vous donner quand même une demi-heure pour
débat. La campagne 2012-2013 a été caractérisée dans le centre de la France. Hein. Moi j'habite, pour vous dire, entre Châteauroux et Bourges, au sud d'une ville qui s'appelle Soufflet. Voilà. Cette année, on a eu pas mal de... une année très atypique au niveau climatique. On a démarré par un mois de d'août et un mois... un mois d'août et un mois de septembre très sec. Ce qui fait que les agriculteurs en conventionnel qui sèment du colza fin août, en fait, l'ont installé soit à sec, soit plus tard. Et surtout, les colzas ont commencé à germer début octobre. Quoi. Alors un colza qui germe début octobre, c'est un colza qui démarre très lentement. Et problème, c'est aussi une excellente époque pour que les géraniums, etc., commencent à démarrer. Quoi. Voilà. Deuxième problème au niveau du climat, c'est que le mois d'octobre, même le mois de novembre et décembre étaient très pluvieux, on a pris 300 mm dans les trois mois. Hein. Et au mois d'octobre, les gens ne pouvaient pas rentrer dans les champs. Donc les semis de cultures d'hiver, céréales, etc., ont eu lieu que fin octobre, début novembre. Voilà. Alors que moi, je pouvais semer en semi-direct comme je voulais, puisque je semais sous la pluie. Voilà. Autre problème qu'ont connu les paysans cette année, c'est le positionnement des herbicides de post-levée au printemps. Avec quand même des gros problèmes, puisqu'il pleuvait tout le temps, et les créneaux pour arriver à passer les herbicides n'étaient pas évidents. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne un petit peu dans les champs. Vous avez ici, ça c'est mon voisin, hein, c'est celui qui me touche, ma ferme est sur la gauche. Il a mis 4 herbicides sur son colza, et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que le colza, quand il est semé tard, qu'il démarre lentement, il y a des petites plantes comme celles que vous avez devant dans notre région qui s'appellent des géraniums, etc., et bien qu'on bouffait tout le colza. Voilà. Là, une jolie plante aussi, c'est très décoratif, ça s'appelle des chardons-maris, je ne sais pas si vous avez ça ici. Ça peut faire 2 mètres de haut, ça a des pics longs comme ça. Là, il y avait 50 hectares de chardons-maris, le gars n'a pas réussi à les dominer. Alors vous imaginez la pollution du sol et la pollution chez les voisins, parce qu'ils ne restent pas forcément là. Quand même. Voilà, donc on avait une campagne très fleurie cette année, avec des coquelicots, des bleuets. Ça, c'est un champ de colza aussi. Bleuet, très joli. Voilà, ce qu'on a vu pas mal aussi, ça c'est un voisin aussi, c'est du brome stérile, hein, vous voyez ici. Salissement, c'est quand même des gens qui mettent au moins 2 herbicides contre les graminées au printemps. Ce n'est pas des gens qui comptent la dépense. Hein. Voilà un petit peu, quand on positionne mal, ce que ça peut donner. Là, vous avez à peu près la même chose. Donc là, vous avez un peu de tout, de la foie d'avoine, du brome mou, du régras, enfin, etc. Voilà. Donc, on voit quand même les limites. Quand on est en face à des situations particulières comme celle-là, les limites de l'agriculture conventionnelle, avec quelquefois des champs, vous avez des champs de colza où la personne doit perdre à peu près 50 000 euros quand même, sur 50 hectares. Quoi. Donc, c'est pas si sécurisant que ça de mettre des engrais et d'utiliser des gros tracteurs. On retourne dans la luzerne sur couverture, enfin les systèmes sur couverture vive de luzerne, avec quelques images. On démarre, vous avez en octobre 2011, donc j'ai semé la luzerne, je vous le rappelle, dans le colza. C'est le seul créneau que j'ai trouvé pour installer la luzerne chez moi. Si vous l'installez dans le blé, ça ne marche pas, dans le blé dur, ça ne marche pas, dans l'orge, ça ne marche pas et tout ça. C'est l'installer dans le colza et en même temps. Ça suppose de ne pas mettre d'herbicide, parce que trouver l'herbicide qui passe sur le colza et la luzerne, c'est peut-être pas évident. En semi-direct, on n'a pas besoin d'herbicide, puisque les champs sont relativement propres. Ça suppose de semer tôt. Donc je sème la première des 4 d'août, assez dense, je sème à 5 kg hectare de colza. Et la luzerne, là, est semée à 6 kg hectare. Ça peut être 7, 8, etc. On pourra en reparler. Moi, je ne suis pas partisan de semer à trop forte densité de la luzerne, peut-être pour les compétitions, pour l'eau, etc. Voilà l'image du colza au printemps. Hein, pour que vous voyez la hauteur de la luzerne dans les lignes de pulvérisateur. Donc elle est dessous. Hein, voilà. Voilà la même chose au moment de la récolte. Bon, la luzerne était quand même en haut des colzas. Hein, j'étais obligé de la vriller avec un petit peu de lontrelle pour la faire descendre pour pouvoir récolter. Voilà le résultat des courses, puisque tous les ans c'est pesé. Le labour était à 40 quintaux et le semi-direct à 38 quintaux. Donc bon, pour moi c'est des rendements équivalents. Avec un petit bémol, c'est qu'à gauche vous avez quand même une luzerne qui est installée et qui elle travaille le sol et vous amène de l'azote. Voilà, on est au 10 août, c'est-à-dire 3 semaines après la récolte du colza.
voilà l'état, le développement de la luzerne. 5 septembre, donc 3 semaines plus tard, la luzerne est en pleine floraison. Donc elle faisait 1 mètre de haut. 5 septembre, c'est juste, 1er octobre, c'est juste avant le semis des blés. La luzerne faisait ses gousses, hein. C'était pas, les grains n'étaient pas encore totalement mûrs, mais on était en fin de cycle de la luzerne. Voilà, la deuxième année, on installe du blé là-dedans. Voilà le semis du blé à l'intérieur de la luzerne. Il ne faut pas oublier quand même qu'à cette époque-là, même s'il fait beau cette journée-là, les agriculteurs ne rentraient pas dans les champs. Moi, j'ai semé les blés début octobre, il n'y a pas aucun agriculteur qui pouvait semer. Voilà. Vous voyez l'état du sol au moment du semis de la luzerne. Intéressant, vous n'avez aucun déplacement de terre, etc. Quoi. Vous êtes dans du très bon semis direct. Ça veut dire que si vous passez à côté, vous ne verrez même pas que c'est semé. Voilà la levée du blé. Un petit peu plus tard, donc la luzerne est en dessous, là l'hiver est passé, donc ça c'est au début du printemps, la luzerne était tassée en dessous. Voilà. On se situe ensuite au niveau de la floraison du blé, la luzerne a été déjà contrôlée une ou deux fois avec du starane, fluoroxypine, hein. Et voilà la maturité où ça avait été desséché à la fin avec du chardex pour pouvoir récolter. Comparaison labour semis direct, c'est là-dessus que j'ai fait mes rendements. Hein. Je vais vous donner les rendements en grande parcelle, les rendements d'Arvalis ne sont pas encore diffusés. Donc en grande parcelle, vous avez à gauche les 24 mètres de labour et à droite le semis direct sur couverture végétale de luzerne. Voilà un petit peu l'engin, on travaille avec le CETA de Champagne-Berrichon, dans les 90 agriculteurs, ça représente 22 000 hectares à peu près. Et on travaille comme ça sur des parcelles assez grandes, on fait un aller-retour de batteuse et on pèse avec ce petit engin qui se déplace d'un champ à l'autre, c'est très commode. Voilà, alors les résultats des courses là-dessus, blé avec travail du sol, donc c'est pesé comme vous venez de le voir, avec 180 unités d'azote, on est à 70 quintaux cette année, et sur le SCV à 100 unités d'azote, on est à 80. Voilà, intéressant aussi, on a des parcelles à très bas niveau d'intrants, avec 60 unités d'azote, on est quand même à 64 quintaux. C'est un peu ce que je disais dans le film, on est à 60 unités d'azote dans les moyennes du blé de Champagne-Berrichon sur les 10 dernières années. Voilà, un petit mot sur la réponse aux fongicides, puisqu'on avait des essais aussi sur toute la protection fongique. Hein. Voilà, donc vous avez sur la parcelle de droite ici aucun traitement, c'est-à-dire il n'y a ni traitement de semences, ni traitement foliaire. Et à gauche, c'est une protection maximum. Les rendements, vous voyez, c'est équivalent. Donc, il n'était pas nécessaire cette année, au moins dans ces systèmes-là, cette année-là, de mettre des fongicides. Et j'ai perdu de l'argent car j'ai quand même mis des toutes petites doses de fongicides et on va voir les chiffres. Une chose, bon voilà, ok, maintenant on est après la récolte du blé et ce sont les repousses de luzerne. Voilà, donc ça a été pris à peu près 3 semaines après la récolte, hein. Il y a 15 jours que j'ai pris cette photo. Donc vous voyez quand même, la biomasse est bien repartie, on a une belle biomasse qui va encore grandir, hein. On n'est pas arrivé au semis du mois d'octobre. Hein. Voilà, allez-y. Voilà, alors un truc intéressant quand même, vous voyez les essais fertilisation, on voit les allées dans le labour qui est en face. Vous regardez sur votre droite de la photo, vous avez dans les essais d'Arvalis 100 unités d'azote et sur la gauche c'est 180 unités d'azote. Vous voyez comme les 180 unités d'azote ont nui à la pérennité de la luzerne. Hein. Et on va voir une autre photo à 240 unités d'azote, regardez ce qui se passe. Alors ça c'est intéressant, ça veut dire... Les systèmes, ces systèmes-là, ne fonctionnent bien qu'à bas niveau d'intrants, c'est ce que disait Lucien, ou à des niveaux d'intrants raisonnables. Si vous commencez à mettre un paquet d'azote, des herbicides costauds et tout, vous allez esquinter la luzerne, vous allez aussi provoquer l'émergence des maladies. Si vous avez des maladies, vous allez mettre des fongicides et vous allez esquinter la microflore qui vous permet de... voilà. Donc c'est le cercle vertueux. Si vous voulez travailler dans cette technique-là, on est évidemment à très bas niveau d'intrants, pour des résultats qui sont quand même plus qu'intéressants au niveau des productions. Voilà quelques idées des performances économiques. Vous avez en orange le travail du sol, hein, avec tous les produits et les coûts des produits, et SCV, c'est-à-dire sur couverture vive de luzerne. Voilà ce que j'ai fait chez moi. Hein, voilà. Donc où est-ce qu'on gagne par rapport au travail du sol sur les SCV? Vous gagnez au niveau des herbicides,
parce que l'Atlantis, le graminicide que vous mettez au printemps coûte quand même cher sur le labour, il n'y en a pas sur le semis direct. Il y a un fongicide de plus qui était absolument nécessaire cette année sur le travail du sol, donc 0,8 litres de Coréma, hein, c'est de l'Osiris, etc. Et vous avez quand même 400 kg d'urée d'un côté et 220 de l'autre, hein. Donc ça change les coûts. Résultat des courses, le coût total sur travail du sol, c'est 400 euros hectare, sur le semis direct sur couvert végétal de luzerne, c'est 260, pour des rendements à peu près équivalents. Si vous faites au niveau des charges opérationnelles le coût d'un quintal de blé, bon, on est autour de 50 euros la tonne sur le travail du sol et on est à 32 euros la tonne sur le semi-direct. Donc là, on rentre dans des chiffres très intéressants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec des charges de 260 euros qui correspondraient après à peu près à ce que vous metteriez sur du travail du sol conventionnel pour faire 55-60 quintaux, eh bien, une bonne année comme celle-là, vous faites 80 quintaux en semi-direct. L'année moyenne, vous allez faire facilement les 65-70, et une mauvaise année, c'est quand même un tampon vis-à-vis des aléas climatiques, et vous aurez des rendements qui seront supérieurs à l'agriculture conventionnelle. Donc, c'est un peu ce que Lucien a dit à un moment donné, si on veut, même si le terme ne plaît pas, de l'agriculture, avoir une agriculture durable, je pense que dans le monde, et je ne crois pas que tu vas me contredire Lucien, les agricultures qui tiennent sans subvention, ce n'est pas celle qui vise un haut rendement avec, avec des coûts d'intrants importants. Ce n'est pas celle non plus qui vise des bas niveaux d'intrants, mais avec des productions faibles. C'est celle qui vise des rendements corrects avec des intrants très faibles. Et là, on est dans cette agriculture-là. Et celle-là est durable. Voilà. Je vous ai parlé des charges en intrants qui sont chez moi avec le travail du sol de 400 euros la hectare. Vous avez trois itinéraires. I0, c'est celui que je fais chez moi, sur des rotations de 4 ans, des couverts annuels, etc. On ne va pas rentrer dans le détail. I1, I2, c'est ce que font les agriculteurs de notre CETA avec deux catégories d'agriculteurs, ceux qui font attention à ce qu'ils mettent et ceux qui sécurisent un peu leurs itinéraires techniques. Alors en I1, c'est ceux qui font attention, c'est des gens qui font du bas volume, qui utilisent des demi-doses de fongicides, etc. Vous voyez que les charges opérationnelles sont autour de 410, alors que pour celui qui sécurise son itinéraire, on est plutôt autour de 600. Alors résultat des courses quand même, quand on prend une ferme comme la mienne, 275 hectares, bon ben vous avez entre ce que je fais et les agriculteurs en conventionnel qui font de la bonne agriculture en conventionnel, vous avez à peu près 122 euros hectare. Si on ramène ça sur 175 hectares, c'est quand même une économie d'autour de 20 000 euros. Pour ceux qui forcent un peu plus sur les intrants et qui sécurisent leurs itinéraires, on est à 320 euros la tonne, ça fait 56 000 euros sur 175 hectares. 56 000 euros, c'est ce que je gagne comme subvention d'Union Européenne. Voilà. Et merci. L'environnement, remercie aussi. Voilà. Voilà, l'environnement est peut-être aussi relativement satisfait, pas seulement pour le portefeuille de l'agriculteur, mais aussi pour la planète en général.